Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de week-end. Voilà, moi aujourd'hui je suis dans des super belles énergies, je sais pas, je suis à fond. Voilà, donc j'espère que je vous ferai partager ces belles énergies avec ce format de vidéo. Voilà, donc là, je vais faire une vidéo donc axée sur les cartes conseils pour le collectif féminin, pour essayer de vous donner des clés ou en tout cas des cartes conseils pour cheminer vers votre complétude, vers votre bien-être, vers votre amour de soi. Parce que pour moi c'est essentiel dans la vie, et puis ça permet également de se couper de toute dépendance affective et d'affirmer son moi véritable et d'être vraiment bien dans sa vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau professionnel, bref, la totale quoi, voilà. Donc on va voir ce qui va sortir aujourd'hui, c'est parti. Alors, un conseil pour les féminines qui regardent cette vidéo. Ouh, aïe, aïe, aïe. Alors, donc là j'ai pris l'oracle de la femme sacrée. Alors, j'ai deux cartes. J'ai la carte du guide intérieur et la carte du savoir intérieur. Avec le guide intérieur, on vous dit « Les meilleures réponses proviennent toujours de mon espace intérieur, calme et rayonnant. Je les attends avec joie. » Et la carte du savoir intérieur, je suis éveillée et en harmonie avec ma vérité, ma lucidité et ma sagesse intérieure. Je suis invitée à surmonter un défi. Ma lumière intérieure est stable et puissante. Avec ces deux cartes, on vous dit que vous êtes le maître de votre vie. Vous avez le pouvoir de décision, vous savez parfaitement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Et là on vous demande de développer votre guide intérieur, de faire appel à votre de faire appel à votre intuition, de vous faire confiance. Voilà, puisque on a là, au niveau du cœur, ce soleil. On a tous ce soleil qui ne demande qu'à rayonner au fond de nous-mêmes. Et c'est vous qui en avez les clés. C'est personne d'autre. C'est, voilà, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, c'est vous qui avez la clé de votre complétude. Personne d'autre. Personne d'autre. Ok. Je veux juste quand même faire une petite aparté là. Vous pouvez remarquer que on a le chiffre 44, donc double, et le chiffre 33. Je vous invite à aller voir la numérologie, les heures miroirs, tout ce qui est synchronicité. Voilà, on a des chiffres clés comme ça qui ressortent souvent. Donc ça peut être je sais pas, votre chargement de batterie, par exemple avec Apple, vous savez, vous avez les mises à jour. Voilà, donc voilà, ça peut être des chiffres comme ça qui vous sautent aux yeux. Allez chercher, parce qu'il y a toujours un message derrière ces chiffres. Et là, en dos de deck, j'ai le flux des relations. C'est pour également mettre en lumière qu'il y a des personnes qui rentrent dans votre vie pour une bonne raison. Toujours pour une bonne raison.
que ce soit des relations passagères ou qui vont avoir une certaine importance dans votre vie, chaque rencontre est là pour vous mettre la lumière sur quelque chose. Ensuite, on va voir avec l'oracle de l'amour universel un message, s'il vous plaît, pour la féminine. Ne laissez personne décider à votre place. Voilà, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur d'être vous-même. Voilà, ce format, en fait, ça ne s'adresse pas qu'au parcours de flammes jumelles. Oui, dans le but premier, c'est par rapport aux flammes jumelles, parce qu'on nous demande de travailler sur nous et d'arriver vers cette fameuse complétude. Mais en fait, ce cheminement s'adresse à tout le monde, même hors parcours spirituel ou hors parcours lien d'âme. Hein. Alors, un message s'il vous plaît pour les féminines qui regardent cette vidéo. Un message pour booster les énergies, pour savoir où on en est, savoir sur quoi on doit travailler. En fait, voilà, c'est tout ça pour essayer d'être mieux. Ah, voilà, ok, ça c'est intéressant. En dos de deck, j'ai la carte de la méditation. Franchement, la méditation, ça peut vraiment vous faire le plus grand bien. Le plus grand bien. Et aussi, vous apporter des réponses et vous accorder des moments pour vous, rien qu'à vous. J'ai la carte de l'attente. La plupart, vous êtes dans une période d'attente, toujours dans l'attente. C'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous attendez des fois que les choses tombent du ciel, comme ça, hop, par magie. Vous attendez que votre autre vous envoie des messages, ou vous invite, ou je ne sais quoi. Là, on vous dit stop, revenez à l'instant présent. Revenez à l'instant présent. Ne vous positionnez pas dans le passé ou dans le futur à imaginer des choses. Non, vivez juste l'instant présent. Profitez des belles choses à un instant T. Et prenez les événements, voilà, à l'instant T aussi. Alors, au niveau de la libération énergétique, un message s'il vous plaît pour les féminines. Un message pour les féminines s'il vous plaît. Non, là il y en a trop. Un message s'il vous plaît pour les féminines. Ok. J'ai la carte des cristaux. Pour certaines d'entre vous, les pierres seront très bénéfiques. Voilà, la lithothérapie permet d'apaiser, de calmer pas mal de choses. Donc peut-être pour certaines d'entre vous, allez vous renseigner sur le bienfait des cristaux. Ensuite, on va prendre l'oracle de Gaïa. Un message, s'il vous plaît. Ok, là on me parle de la déesse du clair de lune concernant les émotions refoulées. J'ai envie de vous dire, laissez aller vos émotions, pleurez. Pleurer, ça fait du bien de pleurer, comme ça fait du bien de rire, de s'exprimer, de dire ah ben non, là ça me convient plus, oui là c'est juste génial. Voilà, exprimez vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et n'ayez pas peur de pleurer. Pleurer, ce n'est pas une faiblesse,
c'est bien tout le contraire. C'est une force, ça veut dire que vous êtes capable de sortir ce qui vous fait mal, de sortir ce qui vous blesse. Donc voilà, n'ayez pas peur de pleurer, ou même si vous êtes quelqu'un qui a la larme facile, donc on va vous dire ah t'es ultra sensible et tout ça, oui mais c'est aussi une force, ne voyez pas ça comme, comme une faiblesse. Et de plus ça a un effet aussi purificateur. On va prendre les cartes, les portes de l'intuition. S'il vous plaît, un message pour les féminines. La gratitude, oui, que c'est beau ça. La gratitude. Remercier chaque jour toutes les choses qui arrivent dans votre vie, parce que qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est toujours pour vous faire comprendre quelque chose. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, remerciez, remerciez l'univers quand vous passez des bons moments, quand vous vous faites du bien, quand vous partagez voilà, des chouettes moments, que ce soit avec vos amis, votre famille, vos enfants. Voilà. Accueillez aussi également des situations qui vous met face à vos blessures, à vos peurs, à vos doutes, car ça arrive aussi pour vous faire avancer, pour vous faire travailler sur vous-même. Voilà, donc ces moments négatifs, accueillez-les avec gratitude. Ne soyez pas dans cet ego qui vous dit « Oui, de toute façon, moi je suis chat noir, voilà, il m'arrive que des merdes, j'en ai marre. » Stop, c'est là pour une bonne raison. Ça vous arrive pour une bonne raison, pour comprendre certaines choses, pour passer au-dessus de ce qui vous dérange. On va prendre les cartes de... Je ne sais plus le nom. De guérison du cœur amérindien. Allez. Un message, s'il vous plaît, pour les féminines. Un message, s'il vous plaît, pour les féminines. On a la carte du masculin divin. Ok, on vous demande d'avoir un équilibre des opposés, que vous êtes en quête d'équilibre du mental, du corps et de l'esprit. On vous demande également d'agir, de poser des limites. Si vous avez envie de faire quelque chose, donnez-vous les moyens d'accéder à ce que vous voulez. On me dit également, avec cette carte, de travailler votre enfant intérieur. Travailler votre enfant intérieur parce que des fois, la féminine a trop tendance à être dans le contrôle, dans cet ego surdimensionné. Voilà, donc là on vous demande de trouver un équilibre, de lâcher prise sur certaines choses, de poser votre mental, voilà, de retrouver votre joie de vivre, voilà, retrouver votre joie de vivre, cette espièglerie qui est si particulière aux enfants, ce lâcher prise. On va voir avec... l'oracle des licornes magiques. Un message, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît, pour les féminines. Très belle carte. Très, très belle carte.
Ayez des pensées heureuses. Le positif attire le positif. Des pensées négatives attirent du négatif. C'est la loi de l'attraction. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Regardez cette licorne, elle est sereine. Elle est sereine, elle est dans un nid douillet. Il y a la lumière là-bas qui est apaisante, qui est douce. Donc voilà, pensez à des souvenirs heureux. Et en dos de deck, j'ai la simplicité. Pensez simplement. Lâchez prise, arrêtez le contrôle. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Vous voyez ce cheval qui court dans la prairie là, voilà, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, retrouvez votre enfant intérieur. Vraiment, lâchez prise. Voilà, vraiment retrouvez votre enfant intérieur. On va voir avec le petit oracle des anges gardiens quel est le message d'aujourd'hui. Un message s'il vous plaît pour les féminines. Ah bah alors, bon, on me dit de la prendre. Expression. Expression. Exprimez-vous. Exprimez votre joie de vivre, votre envie de vivre. Exprimez votre créativité. Exprimez-vous à travers des sourires, à travers des rires. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Oh oui. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte de la foi. Ayez foi en vous, les féminines. Ayez foi en la vie. Voilà, vous avez un potentiel extraordinaire au fond de vous. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues, abandonnez vos pensées limitantes. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible, tout est possible. Vous êtes le maître de votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura envoyé de belles énergies. C'est vraiment le but de ce format. Voilà, c'est pas pour vous juger ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour vous aider à avancer, à aller vers cette joie de vivre, vers tout le potentiel extraordinaire que vous avez en vous. N'hésitez pas à liker ma page, à me laisser des commentaires. Si vous désirez des renseignements ou une guidance personnalisée et individuelle, écrivez-moi à Lily et la beauté des anges @gmail.com. Je vous souhaite un très bon dimanche avec de très belles énergies. Je vous envoie plein de lumière. N'oubliez pas, croyez en vous, vous êtes un petit diamant. Voilà, ben je vous dis à très bientôt et puis voilà. Allez, je vous envoie plein de belles énergies. Bye bye.